Sur le fond d'échange, les participants à la conférence débat égrènent les problèmes qui minent la société civile. Célèbre sous le thème « Droits et devoirs civiques des jeunes dans une république ». Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avions constaté que la société exige les droits, mais elle oublie aussi que dans l'exercice des droits, il y a des devoirs à accomplir. Lorsque les jeunes disent qu'il faut respecter nos droits, oui, nous devons défendre les droits des jeunes, des droits humains, mais les mêmes humains ont des devoirs à accomplir dans la société. Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangi, a réprécisé le contexte de l'adoption de la journée des droits de l'homme, mais aussi de son importance. La mobilisation de tous les acteurs, gouvernants et gouvernés, et en particulier de la société civile, se veut plus que vitale pour accélérer la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme, visant à atténuer les souffrances des uns et d'étancher la soif de justice pour les autres. L'équilibre des États, je déclare ouverte la présente conférence, y compris toute la campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation que cette association va amener. Tous ont salué la reconnaissance de droits et devoirs civiques visant la jeunesse. Pourtant, ils s'accordent sur le problème réel quant au respect des différentes libertés.